Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Zach, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette HVP, Histoire Vraie, Paranormale, pour la première. Merci à vous de votre soutien et n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. C'est gratuit et ça fait plaisir. Installez-vous. On va parler de cette incroyable histoire. On va parler de cette incroyable histoire, la famille Perron. Cette histoire qu'on connaît du film Conjuring, qui est une histoire vraie. Un cas très connu des Warren, de Ed et Lorraine, les enquêteurs du paranormal. From the haunting. En 1970, Roger et Caroline Perron étaient mariés depuis 13 ans. Et ils avaient 5 filles, Andrea, Nancy, Christine, Cindy et April, dont les âges s'étalaient de 12 à 5 ans. Ils habitaient une petite maison de Cumberland, dans le Rhode Island, depuis plus de 6 ans. Du coup, Roger et Caroline commencèrent alors à chercher une maison à la campagne et ils apprirent qu'une vieille ferme était à vendre à Harrisville, dans le Rhode Island, pour un prix tout à fait raisonnable. La propriété The Old Arnold Estate était une ancienne plantation. Elle avait été établie par un colon, John Smith, en 1680 et cédée à Roger Williams lors de la formation de l'État. Elle comprenait un terrain de 800 mètres carrés, une grande maison de 10 pièces datant de 1736 et une vaste grange. Roger et Caroline pensaient avoir trouvé l'endroit de leur rêve et ils imaginèrent déjà leur fille, courant et jouant en toute liberté dans les champs. Mais ils venaient tout juste de signer pour le plus long cauchemar de leur vie. C'est en janvier 1971 que Roger et Caroline et leurs 5 enfants abandonnèrent Cumberland pour s'installer à Harrisville. En voyant le camion de déménagement garé devant la maison, l'ancien propriétaire s'arrêta un moment pour leur parler. Quand, se retournant brusquement, il leur conseilla de laisser les lumières allumées la nuit. Roger et Caroline auraient voulu l'interroger, mais l'homme s'éloigna sans rien ajouter. Excité par l'emménagement de leur nouvelle maison, ils l'oublièrent rapidement. Andrea, un peu plus tard dans la journée, Andrea et deux de ses sœurs marchaient vers la ferme avec chacune un carton de déménagement dans les bras, quand elle aperçut un homme dans la salle à manger. Andrea le salua poliment, mais il l'ignora comme si elle était un fantôme, et brusquement, il disparut. Cette apparition était la première d'une longue série. Des esprits habitaient la vieille ferme, mais au début, ils étaient inoffensifs. Ils étaient opaques, plutôt solides en apparence, et ils ne se montraient jamais agressifs. L'un d'eux laissait une odeur de fleurs derrière lui. Un autre passait chaque soir embrasser délicatement les filles dans leur lit pour leur souhaiter bonne nuit, et un garçon de petite taille poussait des voitures miniatures de sa main invisible. Un autre esprit, que les enfants appelaient Manny, se montrait fréquemment aux plus jeunes. Cindy et April l'adoraient. Elles disaient qu'il était l'esprit d'un certain Johnny Arnold, un homme qui s'était pendu dans le grenier au XVIIIe siècle. Manny les regardait souvent quand elle vaquait à leur activité quotidienne, un sourire tordu sur le visage, s'amusant visiblement de leur jeu. Un contact visuel s'établissait entre eux, alors ils disparaissaient. Avec qui elle jouait et communiquait par télépathie. Cindy attirait l'activité comme un aimant. Elle recevait des messages, voyait souvent des fantômes, et l'un d'eux l'avait même aidée un jour où elle se trouvait en difficulté. Parfois son lit se mettait à trembler. Et elle n'était pas effrayée. Chrissy semblait avoir développé certains dons, et Nancy était une médium de 9 ans. Andrea voyait des ombres glisser silencieusement de pièce en pièce et parfois elle entendait des voix. Un jour, elle avait pu observer une famille, un homme, un garçon et son chien, debout, côte à côte, qui semblait regarder à travers les murs de sa chambre. Outre ces manifestations, de nombreux phénomènes inexplicables se produisaient dans la maison, dans tous les membres de la famille. Étaient témoins. Les lits lévitaient à quelques centimètres du sol,
les combinés téléphoniques flottaient dans les airs, puis retombaient brutalement sur le socle quand quelqu'un rentrait dans la pièce. Les photos se décrochaient des murs, des petits objets bougeaient tout seuls et les chaises étaient parfois retirées de sous les fesses de leur invité. Souvent, ils entendaient le frottement caractéristique d'un balai en provenance de la cuisine, laquelle semblait être l'épicentre. Le message était clair. Ces incidents pouvaient sembler anecdotiques, mais d'autres étaient plus angoissants, comme le sang qui avait un jour suinté d'une orange, ou le mur qui s'était temporairement évaporé dans le néant. Un an après leur arrivée, de nouveaux esprits firent leur apparition, qui était autrement plus pénible. Un fantôme non identifié s'amusait à faire claquer les portes, les refermant ou les bloquant de telle manière que personne ne parvenait plus à les ouvrir. Celui d'une petite fille, vêtue d'une robe de velours vert, tenait régulièrement la famille en éveil, criant toute la nuit « Maman, maman !» Et un autre tourmentait la jeune Sidi, qui alors âgée de 8 ans, lui répétait continuellement « Il y a 7 soldats morts enterrés dans les murs. » Depuis leur arrivée dans la ferme, Nancy et Christy partageaient une chambre, Cindy et April une autre, et Andrea, qui était presque une adolescente, la vérité d'une pièce pour elle toute seule. On peut penser que c'était une chance. Mais attendez, écoutez la suite. Souvent, l'esprit maléfique, qui ne se montrait jamais, tirait les cheveux et les jambes des filles au beau milieu de la nuit. Interrogée sur la nature exacte des agressions, Andrea éluda la question. Disons qu'il y avait un très mauvais esprit masculin dans la maison, avec 5 petites filles. Aucun membre de la famille ne voulut jamais en dire plus. Mais une créature malveillante encore s'acharnait sur Caroline, qui pensait avoir deviné son identité. Bathsheba Sherman, une femme qui habitait autrefois la région qui s'était prétendument pendue à un arbre derrière la grange de la ferme. Il y a eu de nombreuses histoires qui couraient sur Bathsheba, qui était surnommée la sorcière de la cuisine, et comme la plupart des phénomènes se produisaient justement dans cette pièce, Caroline se demandait s'il n'y avait pas un lien avec elle. Intriguée, elle décida d'aller voir les archives de la ville. Elle était née, Bathsheba est née en 1812 dans le Rhode Island. Bathsheba Taylor avait épousé un homme du nom de Judon Sherman le 10 mars 1844 à Thompson, dans le Connecticut. Elle était femme au foyer et son mari travaillait comme agriculteur sur leur terre, non loin de la ferme des Perrons. D'après la légende, Bathsheba avait connu une vie de solitude. Après avoir été accusée de meurtre de sa petite fille, laquelle était alors âgée de quelques mois, le corps de la malheureuse avait été retrouvé avec une grande aiguille plantée à la base du crâne et tout le monde avait soupçonné sa mère de l'avoir offert en sacrifice à Satan. Par la suite, Bathsheba avait eu 3 autres enfants, mais aucun n'avait dépassé l'âge de 4 ans. Vraiment, vraiment, cette femme est étrange, étrange, très très étrange cette femme-là. De l'avis général, elle les avait tous assassinés. Elle se montrait également cruelle envers ses serviteurs, les affamant et les corrigeant pour des erreurs sans importance. Quand elle mourut, le 25 mai 1885, 4 ans après son mari, son corps émacié avait l'air étrangement figé, comme une statue de pierre. Quoi qu'il en soit, pour une obscure raison, l'esprit de Bathsheba semblait vouer une haine profonde à Caroline. Elle voulait la voir partir de la maison. Et elle lui fait clairement comprendre. En août 1977, le Providence Journal fit paraître un article qui parlait de la première rencontre entre Caroline et le fantôme de Bathsheba. Madame Perron nous a raconté qu'elle s'est réveillée un matin, avant l'aube, et qu'elle avait aperçu une apparition près de son lit. La tête d'une vieille femme pendait sur le côté. Sur sa vieille robe grise. Et une voix avait résonné. « Pars, pars, ou je te conduirai à la mort et à la tristesse. » Le fantôme de Bathsheba était particulièrement hideux et l'odeur du mal flottait dans la pièce où il apparaissait. Son visage était semblable à une ruche d'abeilles desséchée, recouverte de toiles d'araignée. Il ne possédait pas véritablement de traits humains. Quelque temps plus tard, Bathsheba découvrit fortuitement que le feu était la plus grande peur de Caroline. Et elle commença à s'en servir pour la terrorisant, jetant
des torches enflammées sur ses couvertures et exigeant son départ immédiat. Une nuit, alors qu'elle était couchée dans son lit, Caroline remarquait que les flammes et des étincelles sortaient de la commode de sa chambre. Horrifiée, elle voulut se lever, mais elle se retrouvera incapable de bouger. Après quelques secondes éprouvantes, elle se retrouvera finalement libérée, mais plus rien ne brûlait. Et les meubles étaient intacts. L'intervention des Warren. En 1974, Ed et Lorraine Warren étaient déjà célèbres et considérés comme des véritables enquêteurs du paranormal. Pour ceux qui connaissent pas trop leur histoire, je vous conseille ce livre-là, Les Dossiers Warren, collection Démons et Merveilles. Il y a pas mal d'enquêtes dedans et on en apprend un peu plus sur Ed et Lorraine. Alors, allez-y, foncez. Ils étudiaient les phénomènes de hantise et de possession démoniaque depuis plus de 20 ans. Dans un certain nombre d'affaires, ils avaient réussi à convaincre l'Église d'exorciser les esprits maléfiques qui tourmentaient les familles. Vers la fin du mois d'octobre, peu avant Halloween, Ed et Lorraine enquêtaient dans le Rhode Island où ils avaient été invités par un groupe de recherche du paranormal. Et ils se trouvaient par hasard près de la propriété de la famille Perron, quand Lorraine crut sentir une présence dans la ferme. Elle frappa à la porte, pénétra dans la cuisine et brusquement elle dit « Je sens une présence sombre et son nom est Bathsheba. » Caroline lui raconta les phénomènes étranges dont les enfants et elle et son mari, qui, son mari était souvent absent parce qu'il était transporteur, donc il n'était pas souvent à la maison. Les Warren décidèrent de mener une enquête sur le passé de la maison. Et d'après leur information, Bathsheba avait assassiné sa plus jeune fille en l'offrant en sacrifice à Lucifer. Et elle avait effectué d'obscurs rituels avant de se pendre, espérant ainsi demeurer éternellement sur les lieux pour les hanter. Elle avait également maudit quiconque vivrait sur la propriété et l'efficacité de cette malédiction pouvait se vérifier à travers les nombreuses tragédies qui s'étaient déroulées après sa disparition. La plupart de ces drames concernaient la famille Arnold. Au cours des mois suivants, les Warren firent de nombreux voyages à Richville pour vraiment enquêter dans la maison. La situation inquiétait grandement Lorraine, qui était persuadée que l'esprit de la sorcière pouvait les tourmenter avec autant de violence à cause de la faiblesse de leur foi. Elle disait que la foi était la seule protection contre les démons, que les Perrons n'avaient pas de religion et que de ce fait, ils se trouvaient en danger. Lors de leur visite, aucun exorcisme n'avait été envisagé. Une nuit, lors d'une séance de spiritisme dans la salle à manger, la situation dégénéra. Et Caroline se retrouvera possédée par l'esprit de Bathsheba ce soir-là, au grand désespoir de Roger, qui était présent et que sa femme n'avait pas prévenu que les Warren étaient venus avec beaucoup de monde, un médium, un prêtre, un parapsychologue, des techniciens. À un certain moment, comme la situation devenait incontrôlable, un exorcisme fut réalisé en catastrophe et l'esprit fit une démonstration de son incroyable puissance. Andrea et Cindy, qui s'étaient cachés pour observer discrètement les visiteurs à travers une fissure de la porte, en furent tellement impressionnés qu'elles crut que leur mère n'y survivrait pas. Caroline était assise sur une chaise au centre de la pièce et tout le monde formait un cercle autour d'elle en se tenant la main, sauf son mari, qui n'appréciait guère ce genre de cérémonie, quand une voix gutturale sembla monter du plus profond de son être et elle se mit à trembler de tout son corps. Soudain, sa chaise se souleva du sol et volant à la vitesse de la lumière, elle traversa toute la pièce pour atterrir au salon. D'après Andrea, « Cette nuit-là fut la plus terrifiante de toutes. J'ai cru que j'allais m'évanouir. Ma mère a commencé à parler une langue inconnue, avec une voix qui n'était pas la sienne. Sa chaise a lévité et une force l'a projetée à 6 mètres de là dans une autre pièce. » Caroline retomba sur le plancher avec tant de violence que toutes les personnes présentes entendirent le bruit de l'air expulsé de ses poumons. Bouleversé, Roger se précipita pour lui porter secours. Mais comme Ed tentait de la retenir, il se retourna brusquement et lui mit un coup de poing au visage, le faisant tomber sur le sol. Voyant son nez saigner, Lorraine commença à lui essuyer le visage avec un mouchoir. Fou de colère, Roger leur ordonna à eux et aux membres du groupe d'aller chercher leur équipement dans la cave et de quitter la maison sur le champ. Le corps de Caroline était complètement déformé. Et ça a duré plusieurs heures jusqu'à ce qu'ils en chassent les démons. Ensuite, je les ai mis dehors.
En arrivant au sous-sol, l'équipe découvert que certains de leurs appareils avaient été brisés pendant leur absence. Caroline décrivit les événements de la nuit comme terribles. Et même si les intentions d'avoir un été louables pour elle et pour son mari, la situation avait dégénéré après leur intervention. De l'avis d'Andrea, Ed et Lorraine ont certainement fait bouger les choses dans la maison. Mais malheureusement, ils ont ouvert une porte qu'ils n'ont pas été en mesure de refermer. Suite à cette expérience, Roger et Caroline se renseignèrent sur les derniers occupants de la maison. Et ils apprirent que tout, à l'exception de quelques personnes, ils étaient victimes de phénomènes surnaturels. Voilà pour cette histoire vraie, paranormale, qui est une histoire vraie que Conjuring a tiré le film de la famille Perron. Possession démoniaque. Si vous avez été jusqu'au bout, mettez en commentaire. Possession. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous remercie d'avoir suivi cette HVP. Et je vous dis à très bientôt pour une autre HVP. Tchuss. En 2013, James Wan réalisa le film Conjuring, les dossiers Warren, qui permit de nombreuses personnes de découvrir les Warren et l'histoire de la famille Perron. Peu de temps après sa sortie, Lorraine fut interviewée par la presse et elle commenta l'affaire en ces termes. « Mon Dieu, c'était quelque chose, ce cas d'Harrisville. »